C'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté à plein poumon. En même temps, à chaque fois que la référence, il s'est mis à chanter. Ras le cul en boucle, oui, ras le cul à chaque instant. De toutes ces morales jetées dans nos têtes, Mathieu c'est bien content. Ah, le cul d'être converti, le cul de ses quotidiens chamaillants, le cul à chaque instant qui agendé. Ah, le cul de ces nouvelles. Ah, le cul de devoir faire face à cette machination qui ne fait qu'une chose. Détruire la diversité sur terre, aussi d'être en harmonie. Ah, le cul à chaque instant qui passe. Je fais piquer par une moustique, les boutons moustiques de partout. Encore c'est la guerre. Bon allez, on va enregistrer un petit coup là. Bon, il y a eu un level up dans la relation, maintenant on arrive à parler, à aller au bout des mots sans qu'il y ait de violence physique. C'est quand même une amélioration. Mais c'est, je crois que c'est de plus en plus proche de la fin. Je vais pas dire que là je crois que c'est vraiment fini, parce que j'ai dit plusieurs fois et que je me suis planté plusieurs fois. Mais je crois que c'est vraiment fini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Ça sera fini un jour. Là, on est clairement sur une stat à 100%. Vu comment c'est, vu comment on voit, comment ça se passe depuis plusieurs mois et tout, ça tiendra jamais des années. Ça se finira tôt ou tard, quand on n'aura plus besoin de moi, ça se finira. Bon, après, ça serait malhonnête de ma part de dire que si j'arrête de faire bouger en moto, en voiture, tout ça pour des raisons juridiques, hein, j'arrête de prendre des risques avec les armes, tout ça. Enfin, ça va de plus en plus mal. Quand je propose des sorties à pied, ben, non, c'est fainéant pour bouger son cul et être épuisé, tu vois. Je l'ai jamais aidé. Dans sa vie, il n'y a que Georges qui a aidé, tout le reste c'était des connards, vous avez compris. Et là, elle pense à elle, tu vois. Elle pense à elle avant tout. Comme si penser à moi, c'est pas un truc qu'elle dit en boucle depuis qu'on se connaît. Moi, par contre, le connard qui s'est donné à fond à une nana sans capote en disant oui, bien sûr, hein, pour la boucle, je suis à fond pour ça. Bon, en réalité, elle, c'est juste un trou. Hein. Elle me dit, oh, mais personne ne met de capote. Ouais. Et moi, j'avoue, j'ai arrêté de mettre des capotes quand j'ai vu que ça me brûlait la bite. Et du coup, quand j'ai arrêté de mettre des capotes, j'ai arrêté de m'envoyer en l'air de manière légère. Du coup, j'ai arrêté de m'envoyer en l'air tout court. D'être le dindon de la farce. Quand le dindon de la farce, c'est moi qui l'écoute pas, tout ça, tu sais. Elle m'a un peu son délire vibratoire, à cause de moi, elle est parasitée et tout. Non, je suis trop deg parce que. Génétiquement, c'était parfait. C'était l'élu.
merde idéologique qu'il y a dans la tête, ça. La femme insoumise et tout, ses rêves avant tout. Elle est sur le même plan, l'idée de faire une famille heureuse, tout ça, et de faire de la scène émanouillée. Et c'est deux rêves équivalents, tu vois. On va tomber enceinte avec la musique parce qu'il va te tromper. Je suis fait pour faire de la scène. Déjà, entraîne-toi tous les jours pour mériter de monter sur scène, parce que c'est sûr qu'avec la technique que tu as développée aujourd'hui, ben, tu ne mérites pas de monter sur scène, mais ouais, je vais te dire. Et si toi tu t'entraînes que quand tu es sur scène, ben, laisse-moi dire que c'est un peu bizarre. Quelqu'un qui veut vraiment faire ça de sa vie. Moi je suis juste dégoûté en fait. Tu sais, je mets du temps à prendre la pilule, ça va, j'ai arrêté de taper dans les murs. Je suis tellement niqué les mains en tapant dans les murs avec elle. Mais ouais, c'est... par exemple, elle a refusé de m'épouser. J'aurais dû faire et que ça allait nulle part. Tu sais, maintenant elle dit qu'elle n'a jamais été heureuse avec moi. Après, quand je lui dis qu'elle est inconstante dans ses mots, c'est moi qui la dénigre. Si le champagne, le transport et compagnie étaient heureuses, si on m'ose durer plus de 3 jours d'affilée, t'es heureuse. Je caricature, mais ça ressemble à ça. Moi, je suis dégoûté parce que. Plus d'avoir dépensé de l'argent inutilement pour elle. Je me retrouve avec un poids mort à la maison. J'ai plus envie de voir. Je vais devoir voir tous les jours encore pendant un an. D'être la bonne poire, tu sais, genre elle a eu la dingue, elle dit j'ai eu la dingue, c'est passé en un jour, elle a eu un petit coup de fièvre, de la dire c'était la dingue, après si on l'a jamais cru, si je me mets à dire ça, je la crois pas, mais là, je suis un connard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle me reprend quand je lui dis ça. Tu n'as rien à me dire. À quel point l'oppression masculine porte pour toi. Ah ouais, ça c'est le grand débat. Moi je nous considère comme des animaux. Avec des animaux, les singes à qui on a appris à lire. Pas de quoi péter plus haut que son cul. Pour elle, on est des humains avec une conscience, une recherche d'âme, toutes ces conneries. Ce qui est drôle, c'est que génétiquement on est parfait l'un pour l'autre, mais le logiciel idéologique qui tourne dans nos esprits, putain. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'ai le logiciel naturel et le logiciel justement moderne.
Elle ne se rend pas compte que c'est elle qui est la manipulée dans l'histoire. Et non, c'est normal, puis on va pas régresser, quoi. On est là pour évoluer, tout ça. L'idée de vivre humblement, petite maison dans la prairie et tout, non, ça manque de fun, tu vois. Et c'est moi qui manque de sagesse. Ce qui est dommage, c'est que j'avais trouvé la fin de ma vie et qu'en réalité, pour une machination mondiale répandue dans la tête des femmes, ce ne sera pas possible parce que il lui faut de la scène, des GoPro et compagnie. Quoi. Et bien sûr, elle n'a pas besoin d'argent. Elle a besoin de qu'on l'aide, qu'on l'aime, elle a besoin d'argent. Écoute, hein, si je t'ai pas aimé, pas ce que j'ai fait, en tout cas, moi j'ai juste l'impression de me bien m'être fait avoir dans les longueurs, quoi, par une connasse. Ah, je t'ai manqué de respect. Moi, je préfère un mec entier authentique qui manque de respect plutôt qu'une salope hypocrite bien polie. Ça aussi, elle a pas compris. Tellement de trucs qu'elle comprend pas. Au potentiel, mon cul.